du directeur général de la police nationale d'Haïti. Nous font un rappel de ça. Nous habitués dit dans l'émission Matin Débat, sous question, relation qui existait entre le directeur général, l'actuel directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Michel-Ange Léon, et le président de la République, M. Jovenel Moïse. Il y a une froideur entre le président Jovenel Moïse et le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Michel-Ange Léon. Depuis là, Jovenel Moïse était candidat. Bien entendu, comme étant candidat favori, Jovenel Moïse en tant que candidat, au courant du mois de décembre de 2016, Jovenel Moïse, 2016-2015, Jovenel Moïse comme candidat, invité Michel-Ange Léon Lacaille. Mais la façon dont l'invitation était faite là, pour Michel-Ange Léon, il était prêt à l'invitation comme une convocation. Comment étant donné que Michel-Ange Léon était directeur général, parce qu'il a été nommé par Privert, le président Justin Privert, et Jovenel Moïse n'était pas encore président, Michel-Ange Léon t'es trouvé que la normale en tant que directeur général pour un candidat convoqué de la CAILI. Madame, monsieur, Michel-Ange Léon pas répondre à l'invitation Jovenel Moïse à l'époque qui était candidat à la présidence. Bien entendu, candidat favori. Et puis, les sabbats, elle a corsé entre ces deux hommes d'État. Jovenel Moïse vient monter président de la République. En tout cas, mon qui pas connaît Jovenel Moïse, c'est un haïtien qui est très rancunier. Et pas mon cap qui t'en est passé pour. Jovenel Moïse, son nègre qui croit dans l'opération Kif-Kif. Eh bien, Jovenel Moïse vient président de la République. Donc, situation toujours été même gens. Donc, relation toujours été même gens entre ces deux hommes d'État. Le reste, nous connaissons. Nous connaissons tous les comportements, en fait, tous les deux gagnent face à l'autre, dans des circonstances particulières, notamment la question manifestation dans le pays d'Haïti. Et l'équipe de PHT, quand même, ouais, un GDO, un élément de la valance politiquement. Et ça pourrait que, parce que pendant tout le mandat GDO, et pendant les deux premières années de gouvernance du président Jovenel Moïse, eh bien, ouais, que cohabitation ça, et c'est pas trop cohabitation, et qui était facile entre ces deux hommes d'État. Et voilà donc qu'aujourd'hui, madame, monsieur, Michel-Ange Léon est donc à la fin, est donc au terme de son mandat comme directeur général de la police. N'est pas oublié, entre-temps, beaucoup d'eau, quand pile d'eau qui coulait en bas pour moi. Jovenel Moïse, son pouvoir était venu menacer. N'était-ce le vote d'Haïti en faveur des Américains contre le gouvernement Maduro? Probablement, je dis à Jovenel Moïse pour t'appeler encore comme président. Donc, de ce fait, ni Michel-Ange Léon, directeur général de la police, ni Jovenel Moïse, il y a un côté qui a trouvé, qui c'est les États-Unis d'Amérique. Et je dis à les États-Unis d'Amérique campés derrière Michel-Ange Léon comme directeur général de la police, parce que je dis à Pagan qui a vu directeur général de la police sans qu'on parle une bénédiction des Américains, parce que la police nationale d'Haïti a toujours été supportée, ou du moins a toujours eu le support des Américains, quel que soit ça au gain comme projet. Et je dis à Jovenel Moïse en tant que président de la République, et si Chita l'a toujours, en grande partie, madame, monsieur, c'est grâce à support des Américains suite à vote d'Haïti en faveur des Américains contre le président Maduro du Venezuela. Maintenant, Gédéon lui-même est confortable parce qu'il a rendu service aux Américains. Gédéon, c'est un fidèle des Américains.
Et Jovenel Moïse, c'est le président de la République. Jovenel Moïse, c'est le président. Parce que c'est lui qui doit décider du sort de Gédéon. Même si États-Unis gagnent pour balle pression, même si États-Unis gagnent pour interférer dans le choix de Gébou Fela, qui est ce qu'a vu le directeur général de la police, madame, monsieur. Pour qui ça que me dit? Son dossier pour nous suivre, parce que son dossier qui a un pile problème dans le pays. Michel-Ange Gédéon pas fait cadeau à Jovenel Moïse. Et Jovenel Moïse, non plus, pas fait cadeau à Gédéon. Parce que, madame, monsieur, la bataille est là. Et cette bataille existe